Béréchit, Genèse, chapitre 17. Lorsqu'Abraham devint fils de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, « Je suis El Shaddai. Marche en face de moi et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement, extrêmement. » Elohim dit aussi à Abraham, « Quant à Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai, et même, je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples viendront d'elle. » Abraham tomba sur ses faces, il rit et dit dans son cœur, « Un fils de 100 ans engendrera-t-il ? Ou Sarah, une fille de 90 ans, enfantera-t-elle ? » Abraham dit à Elohim, « Si seulement Ishmaël vivait en face de toi. » Et Elohim dit, « Sarah, ta femme, t'enfantera vraiment un fils, et tu appelleras son nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Elohim dit encore à Abraham, « Tu garderas mon alliance, toi et ta postérité, après toi, selon leur génération. » Et voici mon alliance, entre moi et vous, et entre ta postérité après toi, que vous garderez, tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, ce sera le signe d'alliance, entre moi et vous. Tout mâle parmi vous, fils de 8 jours, sera circoncis dans vos générations, celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent, tout fils d'étranger qui n'est pas de ta postérité. Celui qui est né dans ta maison, et celui qui est acheté à prix d'argent, seront circoncis, ils seront circoncis, et mon alliance sera dans votre chair, pour être une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis, dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée, du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Elohim dit aussi à Abraham, quant à Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais son nom sera Sarah. Et je la bénirai, et même, je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples viendront d'elle. Abraham tomba sur ses faces, il rit et dit dans son cœur, un fils de 100 ans engendrera-t-il? Ou Sarah, une fille de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Elohim, si seulement Ishmaël vivait en face de toi. Et Elohim dit, Sarah, ta femme, t'enfantera vraiment un fils, et tu appelleras son nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Je t'ai aussi écouté concernant Ishmaël, voici, je le bénirai, je le ferai porter du fruit et je le multiplierai extrêmement, extrêmement. Il engendrera 12 princes, et je le ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année qui vient, en ce temps fixé. Ayant achevé de parler avec lui, Elohim s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ishmaël, avec tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait achetés à prix d'argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce, ce jour-là même comme Elohim le lui avait dit. Abraham était fils de 99 ans, quand il circoncit la chair de son prépuce, et Ishmaël, son fils, était fils de 13 ans lorsque fut circoncise la chair de son prépuce. Ce jour même, furent circoncis Abraham et son fils Ishmaël. Tous les hommes de sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison, et ceux qui avaient été achetés à prix d'argent, d'entre les fils de l'étranger, furent circoncis avec lui.